Résidus psychiques. Les résidus psychiques sont le plus souvent des forces errantes, qui exercent une influence en se servant des êtres vivants comme support à leur propre diffusion. En effet, comme l'explique René Guénon, pour entrer en action dans notre monde, les influences spirituelles doivent nécessairement prendre des supports appropriés, d'abord dans l'ordre psychique, puis dans l'ordre corporel lui-même. Si bien qu'il y a là quelque chose d'analogue à la constitution d'un être humain. Lorsque ces influences sont amenées à se retirer de leur support, qu'ils soient des supports corporels ou inanimés comme des lieux ou des objets, ces derniers restent chargés d'éléments psychiques qui peuvent poursuivre leur existence inférieure de manière incontrôlée, formant ainsi des puissances inquiétantes et suspectes du point de vue spirituel, jouant un rôle négatif ou en tout cas très problématique dans la constitution même du milieu ambiant.